Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous m'entendez bien avec la circulation, j'ai aéré avec les chaleurs et en fait on n'écoute que ça. Donc j'espère que là ça va. C'est parti pour 2 jours de repos avec moi et j'ai envie de dégommer ma pile à lire. Et du coup, ben je vais dégommer de la BD et du manga sur ces 2 prochains jours, mais aussi vous emmener dans mon petit quotidien, vous montrer que je ne fais pas que lire les jours de repos. Je fais pas mal de sport, j'ai des rendez-vous médicaux, je vais aller me balader. Donc je vais vous emmener avec moi. Là, on est le mardi 16 juillet. Il est 8h40. Je me suis réveillée à 8h tranquillement, j'ai eu du mal à émerger, d'où le fait que je vous prenne 40 minutes plus tard après mon réveil. Mais ça y est, je suis habillée, je suis coiffée, j'ai plus qu'à petit déjeuner et commencer à lire. Car oui, on va commencer la journée tranquillement par de la lecture et après bah, vous verrez au fur et à mesure. Je suis toute décoiffée, on fait pas attention. Je me lave les cheveux ce soir après mes 2 séances de sport. J'ai été au kiné, j'ai l'accord pour commencer le vélo. Oui, oui.
Et avant d'aller au kiné, vous avez vu que j'ai lu Bergère guerrière 2 et 3. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire. Dans le tome 2, on les retrouve quelques années plus tard, ils ont grandi. Ils ont, un méchant monstre de magie noire qui leur veut du mal. Ils vont devoir tuer ce monstre, déjouer les plans de celui-ci, et vraiment vraiment j'ai adoré. J'ai hâte de me procurer et de lire le 4e tome. Je vous expliquerai un petit peu plus l'histoire dans le prochain point lecture du mois de juillet. Mais là ça y est, j'ai lu 2 BD, j'en suis à 5 livres lus ce mois-ci. Je suis contente. Pour ceux qui ne savent pas, sur mon Discord, je vous ai fait voter pour le nombre de livres selon vous que j'allais lire au mois de juillet et août inclus. Je vous laisse le lien du Discord en barre d'infos si ça vous intéresse. Et vous avez voté pour en moyenne 25 livres lus sur 2 mois. J'en suis à 5, j'en suis à 1 cinquième du challenge. Et je compte bien réussir, dégommer cette pile à lire un maximum. Et je vais commencer Echo, c'était un livre que j'avais choisi pour l'un des challenges, et il me semble que c'était pour le Hot Summer Challenge que Mélanie organise, donc je vous mets la vidéo juste ici de ma pile à lire et des catégories du challenge si ça vous intéresse. Et puis bah je vais partir pour cette lecture que Elise et Katerina Swirls m'a offert. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire. En allant au kiné, j'ai lu le prologue et une seule page, donc là je vais vraiment me poser et découvrir cet univers qui a l'air vraiment assez sombre. Je vous lis le résumé de Echo, je vous l'ai déjà lu plusieurs fois sur cette chaîne, mais bon, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo ou qui ne s'en souviennent plus, voilà, vous aurez un petit rappel. Approchez, braves gens, pour entendre l'histoire, cette sombre litanie qui vogue dans ma mémoire. Soyez donc attentifs, prêtez-moi une oreille, vous entendrez un conte à nul autre pareil. Echo n'a pas 10 ans, son visage est bien blême, mais c'est la vie pourtant qui coule dans ses veines. Une triste circonstance par une nuit de démence changera à jamais sa paisible existence. La fable est déplaisante, faite à votre guise, sachez que toutefois pleurer n'est pas de mise. C'est un intégral, donc il y a les 3 tomes, parce qu'à la base c'est un livre en 3 tomes, il fait 230 pages, donc c'est parti pour le découvrir. Je vous referai un petit point au fur et à mesure que je prendrai la caméra. Go, je fatigue là, c'est horrible. J'avais prévu tellement de choses aujourd'hui, mais je pense que je vais me reposer, tourner une vidéo, la vidéo de demain mercredi, parce que je n'ai pas de vidéo pour mercredi, et aller faire mon sport, et après plus ou moins montage, on verra. J'espère d'ailleurs que la vidéo de mercredi qui est déjà sortie, donc je vous la mets dans le petit i juste ici, vous aura plu, vous plaira si vous ne l'avez pas encore vue. N'hésitez pas à me faire des retours, à partager avec moi, c'est avec un énorme plaisir que j'aime répondre à vos commentaires. Merci à vous pour votre soutien, bienvenue à tous les petits nouveaux, merci de commenter, de liker, de vous abonner. Je suis proche du prochain palier que je m'étais fixé pour les réseaux sociaux et j'ai tellement hâte d'atteindre cet objectif. Je n'oublie pas que je dois faire un concours pour les 1000 abonnés qui datent de janvier-février. Oui, j'attends toujours. Mais je vais laisser passer l'été, je vais faire du tri dans ma bibliothèque, donc ça me permettra de vous faire profiter de plus de lots que ceux que j'avais prévus. J'avais prévu 2 lots, donc peut-être un 3e, voire un 4e en fonction du tri. C'est pour ça que je laisse traîner, mais je ne vous oublie pas. Merci à vous, et je retourne à ma lecture. Thank you.
On se retrouve, je me suis reposée, je viens de tourner la vidéo de mercredi, le 1 mois, un thème, et je suis en train de me dire vraiment qu'il faut que je réorganise tout ça, donc prochainement, au mois d'août, normalement, si j'ai le temps, je réorganise totalement ma bibliothèque, je vais en mettre en vente, je vais faire de la place, je vais trier purement et simplement. Certains diront que c'est tricher pour mon challenge de dégommer ma pile à lire à 210, 200, 190 livres, peut-être, mais pas pour moi, parce que si je me sépare de certains livres, c'est que je n'ai plus envie de les lire, c'est que les histoires ne m'intéressent plus, c'est que finalement ils ne sont pas faits pour moi, ils vont plaire à d'autres personnes, c'est ce que je me dis, ils vont faire d'autres heureux, ils vont être mis sur Vinted, ils vont partir dans une nouvelle maison qui va les accueillir et sûrement les lire, et moi ça me fait réussir mon challenge, donc prochainement je vais ranger tout ça parce que je peux plus y voir, vraiment, vraiment. Là je vais m'attaquer au montage de la vidéo, ou du moins je vais commencer le montage de la vidéo, j'y vais dans une grosse heure, une heure et demie à la salle de sport pour deux séances de sport, donc il faut que j'avance un petit peu, mais en même temps c'est une journée chill, j'ai envie de prendre mon temps, c'est pour ça que vous me voyez changer, parce que je vais aller à la salle et que j'ai anticipé le fait que j'allais faire du montage et pas forcément avoir le temps de me changer, ou j'avais pas envie de me presser pour me changer. On se retrouve, il est 20h42, je vous ai pas beaucoup repris. J'ai fait un petit peu de montage après avoir tourné une vidéo, quand je me suis reposée et tout, je vous ai fait un petit point. Je suis allée à la salle de sport, vous avez vu quelques rushs où j'ai lu avec Margot, je vous laisse aller voir son nouveau compte Booksta, elle s'est lancée enfin dans cette folle aventure. Et du coup bah, je vous laisse aller la voir, on a lu un petit peu entre deux séances de sport, on a fait le body combat 45 minutes, une heure de lecture plus ou moins papote, et pour ma part j'ai fait 25 minutes de jam, elle faisait une heure, mais je me sentais pas capable de faire autant. Désolée si vous écoutez un peu du bruit, mais je suis allée dehors, il fait bon, je suis en pyjama, j'ai fait des petites tresses, voilà. Je reviens pour vous faire un point sur Echo, du coup, j'aime beaucoup, mais c'est assez sombre, c'est assez dark. On va suivre du coup la petite Echo qui va être missionnée par son papa pour apporter 3 poupées au roi, si j'ai bien compris. Elle va croiser une mendiante et confier ses petites poupées à cette mendiante et sa vie va basculer. Ses parents ne vont plus être présents pour elle et tout. Et du coup elle atteint l'âge de la puberté, les modifications corporelles et tout. Et sa mère l'avait maudit il y a plusieurs années. Et elle se dit c'est la malédiction que ma mère m'a lancée, ça me tombe dessus et tout. On va essayer de retrouver voir cette petite mendiante et de voir si elle peut m'aider. Et c'est vraiment touchant, mais en même temps c'est très sombre, c'est très glauque, les illustrations, l'histoire. Enfin c'est pas mal, mais c'est pas dans mes habitudes de lire des histoires aussi sombres. Enfin bref, je vais retourner lire, je pense pas vous reprendre en discussion vous et moi là d'ici demain matin, parce que bah mon chéri va rentrer du sport, on va manger, je vais prendre le temps de lire un petit peu. Dans Echo, c'est coupé en 3 parties, c'est une intégrale et j'ai terminé la première partie, donc qui correspond au premier livre on va dire, et du coup bah je vais essayer de lire un maximum et de finir la deuxième partie du roman, enfin du livre, pour pouvoir terminer ce roman demain. Demain j'aimerais bien terminer aussi un livre que j'ai commencé, donc soit Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, soit de terminer Wild Men, le 3e tome, j'en suis à 50%, de Jake Cronover, publié chez Hugo. On verra ça demain, je vous emmène avec moi encore demain et c'est parti! Des bisous, bonne soirée et à tout de suite pour vous! Tout le monde, on se retrouve pour le 2e jour de cette vidéo.
On est le mercredi 17 juillet, il est 8h, je me suis réveillée un petit peu avant, 7h35-40, je commençais à tourner dans le lit, donc je me suis levée, mais j'avais mis un réveil à 7h45, car aujourd'hui je live, donc bah fallait que je me réveille. Hier j'ai un petit peu continué ma lecture de Echo, j'en suis à la page 130 il me semble, non 111 pardon, 111, j'aime bien, je vais terminer ce matin avec vous en session lecture. Et une fois que j'aurai terminé Echo, je vais essayer de continuer Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo pour pouvoir le dégager de cette lecture en cours. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de le relire, vraiment je ne comprends pas. Mais je l'ai mis dans un challenge littéraire, donc c'était le Magicarium. C'est la bibliothèque d'Emilia qui l'organise, donc je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. Et du coup, bah, faut vraiment que je le sorte, mais je ne referai plus jamais cette erreur, vraiment, vraiment. Sinon, j'ai également Wine Main de Jay Cronover en cours, je pense pas pouvoir le continuer en live ce matin, mais peut-être dans la journée. Et en écoute audio, j'ai Vampiria, le tombeau des étoiles, le deuxième tome, j'ai un peu avancé hier soir, et j'ai du repassage à faire, donc je me dis que peut-être je vais écouter ce livre audio en repassant, écouter une heure et demie, deux heures, vu l'état de la panière. Et du coup ça me permettra d'avancer, j'ai un peu la voix cassée donc désolée par avance mais c'est comme ça. Et puis ben voilà, je vais aller déjeuner et on est parti pour live de 8h30 jusqu'à 11h. Echo et j'ai bien aimé cette lecture, apparemment en live j'ai souri plus d'une fois donc ça confirme. Que vous dire, c'est un roman sur un cycle de vie où on va suivre Echo qui va évoluer, qui va subir la perte, le deuil, l'abandon, l'acceptation de soi, l'image de soi parce qu'elle va grandir, évoluer, le fait d'apprendre, d'accepter, d'être tolérante, la tristesse, enfin vraiment ça aborde beaucoup beaucoup de thématiques, c'est bien amené, c'est bien représenté. Les illustrations sont vachement vachement chouettes. Donc ça a été une belle découverte. Donc encore merci Élise de m'avoir offert cet ouvrage. Et du coup je sais pas si j'aurai le temps de lire un peu plus aujourd'hui, mais j'aimerais continuer Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et non de Victor Dixon. Pour ceux qui étaient là en live, vous avez vu mon lapsus. Le continuer, il me reste 60 pages donc je pense lire un petit chapitre par-ci par-là. C'est vraiment, enfin un petit chapitre, un petit, oui c'est des chapitres. Donc lire par-ci par-là quand j'ai 2-3 minutes, me poser. Là je vais aller me reposer. Finalement je vais pas avec Margot à Décathlon, elle ne peut pas. Donc j'irai toute seule, j'irai me balader. Mais ça sera très expéditif je pense. Ou j'irai avec mon chéri, tiens je vais lui proposer. Vu qu'il faut qu'on aille faire quelques courses à Lidl. Puis voilà, je vous emmène avec moi, vous verrez. Mais là je vais aller me poser dans le lit 2 minutes. Enfin 2 minutes, une grosse demi-heure dormir. Même peut-être jusqu'à midi, là il est 11h11. Ça peut être bien jusqu'à midi. Thank you.
J'en ai vraiment chié pour la séance du jour. Ça s'entend. Elle est pas finie. C'était la BMA. Donc, 30 secondes de course rapide, 30 secondes de récup. 30 secondes de course rapide, 30 secondes de récup. Et de toute façon, si vous voulez me suivre sur Strava, vous aurez tous mes entraînements et tout. Et là, on va faire la récup lente pendant 10 minutes. Je vous reprends plus tard. Et désolé pour le cadre. Bon, vous faites pas attention à ma tête, je suis toujours rouge. Je suis rentrée du sport il y a une grosse demi-heure. J'ai parlé un petit peu avec mes voisins parce qu'il s'avère que mon voisin est un de mes collègues de boulot sur un de mes lieux de boulot, c'est un kiné. Et du coup, bah maintenant que je le sais, je ne peux plus faire genre bonjour et je passais mon chemin. Je ne peux plus. J'ai fait un peu de la vaisselle et tout, j'ai pris le temps de me poser, de récupérer. Je vais aller à la douche, mais avant ça, je voulais clôturer ce petit vlog avec vous. Donc j'ai pas mal avancé. Sur ces deux petits jours, du coup, j'ai lu deux BD, donc le tome 2 et 3 de Bergère Guerrière, j'ai lu Écho l'intégrale, j'ai continué 10 pages du dernier jour d'un condamné, mais c'est déjà ça, et j'ai lu une centaine, voire 130, attendez, ouais, 130 pages, écoutez plutôt, 130 pages de Vampiria America, le tombeau des étoiles, j'adore, il me reste 5 heures d'écoute je crois, ou 4h30, je sais plus exactement, j'en suis à une quarantaine de pourcents, donc j'ai hâte de le continuer quand je vais aller au boulot là ces prochains jours, ou d'ici fin du mois en fait, je vais essayer de le terminer, mais voilà, journée où je vous ai pas trop pris en vlog, même les deux jours je vous ai pas trop pris en vlog, donc j'espère qu'il y a du contenu, j'espère que ce vlog vous a plu, vous a intéressé, vous avez vu mon côté sportif, vous avez vu mon côté lecteur, organisation pour les réseaux sociaux, notamment avec la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche, faire à manger pour demain, manger, et après aller me reposer, dormir pour deux jours de boulot demain et après-demain. N'hésitez pas à me laisser un avis sous cette vidéo, mettez un petit emoji, soit livre, soit basket pour la course à pied. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi, je vous laisse. Je vous dis à un prochain vlog, je vous fais des bisous. Bye!